Bonjour à tous. Samsung Galaxy A110, l'écran. Il y a une plaque de métal dessus. On va essayer de décoller ça. J'ai le nouvel écran ici. Bizarrement, ça revenait moins cher à acheter l'écran avec tout le boîtier qu'à acheter seulement l'écran. Fait que c'est sûr que j'ai sauté dessus. As-tu déjà été ouvert ou quoi? Ah, c'est un collant. Ok, j'ai rien dit. C'est un collant seulement. Fait que j'ai juste à reprendre tout de l'ancien puis le remettre dans celui-là. Puis remonter ça. Mais je voulais vous le montrer pareil, là. C'est pas quelque chose que. Je pense que c'est quelque chose qu'on voit souvent sur Internet, là. Fait qu'on va essayer de l'ouvrir sans rien briser. Il a chauffé pas mal. Allons-y. Numéro 1. Petite carte de plastique comme ça qu'on peut acheter. On vient glisser ça. Ici. Je peux enlever ça. Puis là, je viens rajouter l'alcool. Juste un peu. Ouais. Et voilà. Et voilà. Fait que ça a bien été. Il n'y a rien de brisé. Il est bien beau. Parfait. Ah, on aurait reçu, j'y aurais remplacé sa vitre, la lentille, la caméra. Elle est brisée. Je voyais en parler. Parce que ça se remplace bien, ça. Je vais y en parler pour ça. Le restant, c'est pas dur. Le petit tournevis étoile. On enlève des vis. Ça, c'est un client de Bécomo. Toutes ces petites affaires qu'il a à faire, il me les envoie toutes. Pour ceux qui connaissent pas le Québec, ben, parce que j'ai bien des abonnés qui viennent de l'Europe, de France, et ainsi de suite, de Belgique. Bécomo est l'endroit où ce que je vis. Moi, je suis au nord de Montréal, à Saint-Jérôme, exactement. Ça doit être environ 500 kilomètres. Puis, c'est minimum 500 kilomètres, c'est sûr et certain. Toutes les vis. Je vais prendre par exemple Samsung parce que c'est toutes les mêmes vis. Fait que vous n'avez pas à vous casser la tête. Apple, là, je ne sais pas combien de temps qu'ils ont pu mettre au choix des vis dans un cellulaire, là. Mais je suis sûr que c'est un métier en lui-même chez Apple. Des fois, pour un simple petit couvert de métallique qui recouvre une partie des branchements dedans, il peut avoir trois vis différentes. Fait que ça vous donne une idée. Ça, on enlève ça. Est-ce que ça va bloquer sinon? Tiens. Et voilà. Couvercle arrière est enlevé. Il va me rester à débrancher la batterie. Celle-là. On enlève ça.
la caméra. Excusez, ça a revolé. Y avait-tu d'autres choses de brancher après ça? J'avais une vis dans le milieu. Petite vis noire. La seule vis qui est différente, mais il y a à mettre noir, celle-là. Voici donc la carte mère. On va avoir enlevé ça ici. Et voilà. Les autres sont tous collés un peu. Je vais le remettre sur mon pad. On va décoller ça un petit peu. On ramène ça ici. Et voilà. Ça a décollé aussitôt. Il va rester la batterie. La batterie, on y met un petit peu de... Je mets un tout petit peu d'alcool en arrière ici. Puis là, je viens la travailler. Un coup qui est levé un peu. On en met d'autres. Voici donc la batterie. Carte mère, batterie. Autre carte qui vient ici. Ça ici. Il va me rester ça enlevé. Et voilà. Probablement ça aussi, mais je vais regarder dans l'autre avant. Fait que ça, c'est l'ancien écran. Je sais pas pourquoi j'enlève ça. Peut-être c'est pour le fun. L'écran 9 est ici. Ça, j'ai pas besoin de le prendre parce qu'il y en a un là. Pour le reste, tout est parfait. Et voilà. On enlève ça. On enlève ça. Ça. Et ça. On vient remettre le petit vibreur. Et voilà. Il veut pas. Je pense qu'il veut pas partir. OK, le 9 est là. Là, je vais aller y mettre pour la batterie. Avant de la coller, on va essayer le téléphone. Je vais venir mettre ça ici. Misère. C'est un A71. Bon, là, j'ai reçu le bon. Là, on va remonter ça, comme c'est supposé d'être. Ça va ici. Bon, regardons ça. Là, ça fit numéro 1. Y avait-tu des connecteurs? Non, il n'y a aucun connecteur en dessous de ça. Non. Quoi qui rentre pas. Ah! Oh. C'est un aimant. Plein de vis de poignet après. Hein? Y'a plus de vis là? Non? Tada! Là, ça marche. Ben.
Ça vient ici. Ici. Qu'en bas. Ça va en bas. Ici, j'ai une caméra. Et voilà. Je peux pas avoir une caméra là, c'est sûr et certain. Où va cette caméra là? Ah oui, elle va en bas. Ici. Voilà. Mais avant, on va remettre ça. Tiens. Ça comme ça. Ça comme ça. Ça ici. Ça ici. On branche ça. On vérifie si ça fonctionne. On est aussi bien de remettre le couvercle. Tiens, en train d'allumer. Fait que là, je pense que ça fonctionne bien. Mais là, je vais regarder puis sa lentille, là, parce que tant qu'à être, c'est un client de Bécomo, ça, là. Tant qu'à être ici, là, je vais aussi bien changer ça, ici, non? Je devrais être capable de changer ça. Et voilà. Et voilà. Appel d'urgence. Tout marche. Tout est beau. Fait que je vais le remonter au complet. Alors, je sais pas si je vais pouvoir l'éteindre. Non, ça prend le mot de passe, c'est vrai. Bon, ben, pour cette partie-là, j'ai pas collé tout de suite parce que je vais remplacer la vitre ici, au complet. Je vais attendre de l'avoir demain. C'est seulement la vitre que je change. Tout là-dessus, je pense que si je me mets, vu qu'elle est déjà cassée, là. On met ça de même. La vitre est enlevée. Fait que je vais échanger sa vitre. Je vais l'avoir demain. Fait que je peux la reposer tout de suite, mais j'ai pas besoin de garder ça. Je vais y poser sa vitre tout de suite. Pas sa vitre, de son derrière tout de suite. Et voilà. Tiens. Ça n'arrêterait plus. Bon ben, j'ai pas enlevé le plastique, puis c'est le client qui va enlever ça à la fin. Un 1171 qui fonctionne numéro 1. Alors ça, je prends ça par exemple. Je trouve que ça tire du jus, cette affaire-là.
les arrière-plans 3D animés, là. Ça tire du jus. En tout cas, ça fonctionne numéro 1. Ça va être collé là. Demain, je vais y remettre la bite ici en arrière. Puis il va avoir un beau téléphone qui va être number 1. Il va être bien content de l'avoir. Merci.